Bonjour à tous, si vous regardez cette vidéo sur Twitch ou sur YouTube, c'était le Kinou. Il s'agit de la découverte de Omno qui m'a été offert par les développeurs, j'imagine que Studio Inky Fox. Merci beaucoup à eux. C'est un jeu qui a l'air très contemplatif, si j'arrive à parler, et très chill. Très tranquille, on va voir ce que ça donne. Alors, c'est la première fois que je le lance, donc du coup, je vais regarder les options rapidement. Axe vertical inversé, oui, s'il te plaît. Merci. Voilà. Maintien de la touche de surf, je ne sais pas, on va dire oui. Français, oui. Vibration, si tu veux. Yes. C'est marrant parce que. Ok. Français, mais tout n'est pas en français apparemment. Qualité graphique, on peut pas aller plus haut. Limitation, 60 si tu veux. Oui, sans bordure, non, je ne veux. Je veux du plein écran. Merci, oui. Ok. Eh ben, c'est parti. Par contre, c'est bizarre, le joystick ne fonctionne pas, je suis obligé d'utiliser la croix. Bizarre. Mais bon. Je vérifie que ça fonctionne comme il faut. Allez, c'est parti. Jolie musique en tout cas. Ok. J'ai l'impression d'entrer un croisement entre. entre Twinsen et une poule. Ok. Alors attendez. Hop. Allez, hop voilà. Ok, bah là ça marche pour l'instant. Ça marche beaucoup mieux. Le joystick. Je ne suis pas obligé d'utiliser la croix. Je ne peux pas utiliser la croix d'ailleurs. Ok. Ouh, platformer. Platformer. Y a pas de double saut, ok. Avec B, ça fait ça. Je ne sais pas ce que c'est, des glyphes, des créatures. Ok, on va le comprendre avec le temps. Ok. Là, non. Bopsy bops. Je ne sais pas ce que c'est. On a la touche de saut pour sauter plus haut. Ouais. Ok, checkpoint. Oh, des grenouilles sans. Ok, une entrée est ajoutée dans le journal. Des réglettes. Enfin, voilà, des réglettes. Genre les réglettes. Donc je fais ça. Non, je fais comment? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, je faut pas que je touche à tout, c'est ça. Ah voilà, réglettes. Ces créatures timides peuplent les bourbiers, les eaux marécageuses. Ok. C'est mignon pour l'instant, c'est chouette. C'est tranquille. Répondez à l'appel, entamez votre périple, suivez le chemin qui mène à la lumière. Je vais diminuer un petit peu la gueule. Ok. Ok. Faut suivre la lumière, c'est ça que ça veut dire. Oh, il se raccroche. C'est bien. Il a pris des cours avec Lara. Oh, faut que je fasse... Bah voilà, c'est ça. Faudrait que je fasse un Tomb Raider, en fait. Ah bah, c'est ça. Ah bah, c'est ça, voilà. Ça, c'est à force de jouer à des jeux, j'en ai trop et je ne sais plus quoi faire. Et je me dis, pendant les vacances scolaires, vu qu'on a fait Outer Wilds, c'était cool. Maintenant, il faut un jeu un petit peu long, mais pas trop. Et j'hésitais entre plein de trucs. Et ben, je pense que je vais faire un Tomb Raider. Hop, c'est décidé. Ah, mon dieu. Oh, la classe. Ok. Par contre, j'ai pas mis le recours.
c'est le plus évident là. Fée, jeu très reposant, très mignon. Ouais, je l'ai. Jadelcy nous l'a offert aussi. Jadelcy l'a offert à la chaîne. Elle nous l'a offert, mais je cherche pas spécialement un jeu reposant et mignon à faire. En fait, j'avais envie de faire un jeu un peu long, enfin un peu plus long que ce que. Bref, je me comprends. Mais non, je vais pas faire Fée pendant les vacances. Fée, ça serait un jeu du mardi. Nom de Dieu! Et apparemment, c'est un mec tout seul qui l'a fait. Si j'ai bien compris. Ce jeu-là. Waouh. Ouais. Ah ouais. En fait, non, il me fait penser au petit bonhomme du gaz là. Je sais pas s'il a un nom. Ok. Je peux. Ok. Maroula, cette créature quasiment mythique est observée au mieux une fois par décennie. Elle est le sujet de nombreuses histoires. Classe. Bonjour. Ok. C'est super classe. Mais en tout cas, Super Yigi, je note ta suggestion. Il est fait dans la liste des jeux du mardi que j'ai envie de faire un jour. Mais voilà, il y en a tellement que je fais le difficile en fait. La lumière. Ok. Qu'est-ce que je fais, glyph? Répondez à l'appel, entamez votre périple, suivez le chemin qui mène à la lumière. La lumière, c'est noté. Une entrée a été ajoutée dans le journal Wakabulb. Wakabulb. Ces êtres étranges n'ont pas d'âge. Certains disent qu'il s'agit davantage de plantes que d'animaux. Ouais, mais elles sont là, je les avais même pas vues en fait. Ah, c'est cool. Ah, c'est cool. Le gouffre d'Oki. Ça m'a dit de faire ça, mais... Oh, il doit falloir allumer des trucs pour faire... Enfin, il doit falloir... Ok. Pour le faire en 100%. J'aime bien sauter un peu plus haut, en fait. Mais bon. Bonjour, les réglettes. Salut, les lumabeilles. Oh, ça augmente le pourcentage, ça. Ah, il faut récupérer toute la lumière, d'accord. Oh. C'est ça? Non, c'est pas ça. Faut choper les endroits, faut assembler davantage d'énergie, ok. Comment je sais mon niveau d'énergie? C'est le pourcentage? C'est ça l'énergie? Je sais pas. Ok, on va aller voir ailleurs si on y est. C'est gentil. Je vérifie le pourcentage, ça a pas l'air de changer là.
En tout cas, c'est vachement. C'est la classe. À 14%, voilà. C'est la grande classe, ce jeu. Sans savoir où mon pèlerinage a commencé, je me sens d'autant plus proche de la lumière et du nouveau monde. Bientôt, je franchirai la porte, moi aussi. Ok, donc en fait, pourcentage, c'est de la zone, c'est tout ce qu'on peut récupérer, en fait. Ok. Là, on est à 21. Est-ce que découvrir une... Les tortules? Tiens, on n'a pas lu tout ça. L'humabeille, ces créatures ne s'allument qu'en présence d'autrui. Il s'agit d'un symbole de camaraderie et d'unité. Ces êtres paisibles chérissent la solitude. Ah oui, ça nous a fait découvrir effectivement le... Oh ouais, d'accord, ok. En fait, c'est la map, ça. Oh yes, ok. Je lis vraiment bien le travail du gars. Ouais, c'est impressionnant. Hein, c'est impressionnant de nos jours qu'on puisse faire un jeu tout seul comme ça, de cette qualité-là. Bon, après, tu me diras, Another World... Il a aussi été fait tout seul, il est de grande qualité, mais... C'est un jeu allemand? D'accord. Eh ben, c'est pas grave. Je suis déçu que ça soit pas français. Hein. Oh là là. D'accord. Un jeu de teutons. Oh merde. Ah. Ah, on peut rip. Ok. Rip. C'était moche, ouais. Solid. Ah tiens, ça, ce qu'on a là, là, ça s'affiche aussi à gauche. D'en haut de l'écran, là, voilà. T'es qui, toi? Mais en crabe. Eh, hey, viens là. Oh, je vais plus vite d'un coup. Il semble que je sois seul sur mon chemin. Je laisse pourtant ces messages derrière moi. Pour qui souhaitera suivre mes pas. Pour moi, pour mes souvenirs. Si seulement cette pluie incessante pouvait s'arrêter. Ah bah oui, on peut leur faire confiance, c'est clair. On peut faire confiance à plein de gens. 57. Okay. Ah, je vais super vite d'un coup. Ouais. D'accord, ces bouboules blanches, ça allume le menhir. Et je suis aussi allergique à ces bouboules blanches. Ok. Comment je fais pour revenir sans me toller? Tiens, il y en a une autre là-bas. Pas récupérer celle-là. Merde, j'essaie de courir comme tout à l'heure. Ah! Donc j'ai assez d'énergie pour récupérer ça. Et là. Ok. Et ça, ça déclenche la sortie. Je suis à 85. Il reste encore quelques trucs à trouver en fait. Moi j'imagine qu'on n'est pas obligé de le faire en 100, de faire les zones en 100% à chaque fois en fait, c'est ça. Mais que ça reste quand même intéressant de potentiellement le faire. J'ai déjà été là mais... Je voulais vérifier un truc. Oh, bah non. Bah non, bah non. Non, c'est pas grave. Je sais pas s'il faut passer sa vie à faire ça, là, sur les animaux pour récupérer la lumière, ou si... Aussi, on va
finaliser avec ça. Ah. Mm-hmm. Yes. Bon bah on continuera ça mercredi hein. Ah, j'ai récupéré j'ai récupéré la boule. J'imagine qu'il faut que je vais mettre ça quelque part. Oh d'accord. Qu'on pousse ça. Bouge. Ah oui, mais si je peux pas le pousser. Ah oui, mais il faut que je puisse le pousser aussi. Bizarre ça. Je récupère ça, ok. Et après, il faut que je puisse grimper là-bas. Donc, il faudrait que je puisse pousser. Je peux pas le pousser. Mettre le cube là. Bah, de toute façon, je pourrais pas grimper dessus non plus. Donc, alors, qu'est-ce que je fais avec ce. Cette brochette de lumière? Il faut la mettre. Il faut bien la mettre quelque part. Là-haut, là. Ou là. C'est quoi là? Rien. Ok. Ah, à mon avis, il faut la porter là-haut, en fait. Mais merde, qu'est-ce que j'ai... Non, mais non. Chier. Ah, bordel. J'ai trompé de touche. Et faire la map, en fait, ça coupe ça. Alors, on va essayer autre chose. Je vais mettre ça là-bas. Mais normalement, je ne vais pas pouvoir grimper dessus, en fait. Parce qu'il va manquer... il devrait manquer un truc. À moins que... Est-ce que je peux... Non, et puis là, ce sera trop long. Hein. Trop loin. Ah, c'est là, putain. Oh là là. Ok. Vu. À tous les coups, ça va faire apparaître un autre... Un pont. Voilà. Magnifique. Burnt. Ah, d'accord. On quitte à 85%, ok. Ok. Et comment... comment faire pour choper le 100%? Alors, est-ce qu'on veut faire ça ou pas? J'ai presque envie de dire que la flemme, mais là, je vois un truc lumineux là-bas. Là. À tous les coups... À tous les coups, c'est là-bas. Salut. Ah mais genre. Maître du gouffre. 100%, oui. On va essayer de les faire en 100%, c'est rigolo. C'est pas mal, l'ambiance est sympa, c'est très paisible. Très agréable, je trouve. J'ai l'impression que ça donne la même. Enfin, vous avez la même impression. Et puis ça va vous faire dormir, par contre. Bon, vu l'heure. Ok. Couche. Vouche.
Je sais pas s'il a fait autre chose ce gars-là. Ça me fait penser à plein d'autres jeux en fait. C'est vraiment super classe. Enfin, voilà. Le plateau d'Agneia. Ok. Parfait. Comment il se barre, c'est les oiseaux quantiques en fait, c'est ça? Foncez. Oh, une nouvelle capacité. Oh, mais si en plus il y a ça. Ah, ça va être trop bien. Ok, si on chope des nouvelles capacités de temps en temps en plus. Magnifique. Ah oui, sauter et foncer vers l'avant. Bah ouais. On est obligé là en fait. Ok. Ceux qui trouveront la lumière trouveront la liberté. C'est noté. Des floumes. Ces créatures sont obsédées par tout ce qui brille. Ah, ils vont me suivre à tous les coups si jamais mon bâton brille. À moi. D'accord, donc ça c'est à récupérer. Ok, là y'a quoi? Vrou. Ok. Alors est-ce que faire ça, ça nous apporte un... Non, ça augmente pas le pourcentage. Ok. Est-ce que ça nous permettrait d'aller là-bas en fait? Yes. Ok. Ça forcément. Ok. On en a trois à choper comme ça, ok. Café Omno a fait des clips de pub et a travaillé pour Reason. C'est pour Reason 2, d'accord, ok. Je laisse derrière moi les créatures et la beauté qui m'entoure. Hein. Tout ceci est pour trouver un monde meilleur ailleurs, dans la lumière. À quoi ressemble le monde derrière cette porte? J'aurai bientôt la réponse. Merci pour l'info, Super I. Toujours bon à savoir. Ah, il y a un autre puzzle ici. Impression. Mais il doit falloir récupérer les trois symboles avant. Ouh, 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 ouh. Ouh, ouh.
Ah, c'est un jeu pour Jim Lao aussi, ça. Il est pas là, Jim Lao, il est parti, il était là tout à l'heure, je crois. Faut que j'aille là-haut, là. Comment je vais faire pour aller là-haut? Ah, ça va être lourd pour le choper celui-là. Il y en a un autre là-bas aussi. Quoique si je me pointe là peut-être. Je me mets comme ça. Non. Pas grimper sur l'arbre. La musique est sympa aussi. Alors c'est quelqu'un d'autre qui a fait la zik, hein. Pas non plus lui en vouloir pour ça, mais musique super chouette. Je veux un double saut. Est-ce possible? Ah non! C'est la gueule. Bon alors il y a un autre truc de l'autre côté. Eh hey, salut. Choub. Ah mon dieu. Ok. Oh là là. Ok. Oh la vache, ok. Nom de Dieu, c'est en fonction des mouvements. Je m'attendais pas à ça. Donc là on peut faire le puzzle. Okay. Tu vas dodo? Ça marche Avia, bonne nuit à toi. Tu vas pas dodo, tu vas regarder les JO, je sais. Bon JO. Je plaisante, ah là là. Enfin en même temps. C'est pas dramatique, ça serait pas grave. Tac. Oui. J'espère que ça va en tout cas. Quand tu pars tôt comme ça, moi je m'inquiète un peu. Il semble qu'hier encore, les miens foulaient ces chemins et traversaient ces ponts, tout comme moi à présent. Le murmure du vent dans les canyons me rappelle l'époque avant le grand départ, quand le peuple vivait en harmonie avec la création. Alors, je me demande un truc par contre, c'est est-ce que c'est nous qui parlons ou est-ce que c'est une personne qui aurait laissé... qui aurait laissé ces notes là en fait. Attention, c'est une question rhétorique, le jeu va nous l'expliquer, on va le capter à un moment donné. Je n'ai pas la réponse de ceux qui savent. Ça, on va s'arrêter bientôt.
Le silence est assourdissant, hormis le cri des Altirax au loin. Je ne dois plus tarder. La lumière de la porte m'appelle. Ouais, je pense que c'est quelqu'un d'autre, ça semble évident. On l'avait pas chopé celui-là déjà ? Qu'est-ce que ce bordel ? 82%. Oui, ils reviennent. Ah ouais, si, on l'a déjà chopé en fait, du coup. Okay. Donc celui-là, là-bas, par contre, non. Ceux-là, même. Ça compte, ça ? Non. Ah, ça n'a pas compté non plus, tiens. Tiens, tiens, tiens. Wouah, wouah, wouah. Il y a une autre bouboule à gauche, là. Voilà, maître du plateau. 100%. On va faire le puzzle. Oh. Ok, ça va me permettre de monter sur un... Ok. Il faut aller là-haut. J'imagine. Ah. Huh. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais, non. Ce serait plus pour aller à gauche, en fait. Ok. Et encore, j'ai un vieux doute, quand même. Ouais, c'est chaud, quand même. The fuck? The fuck? Est-ce qu'on peut grimper là? Non. Pourtant, Tiens, on a pas lu ça. On dit que toutes les pierres étaient autrefois vivantes, qu'elles étaient des êtres gigantesques, aussi grands que des montagnes. Ces petits êtres vifs se déplacent en meute. S'ils restent seuls trop longtemps, ils finissent par mourir. Les frêleurs sans être agiles, ces créatures ont néanmoins suffisamment d'endurance pour traverser un continent d'une traite. Et ces créatures sont obsédées par tout ce qui brille en la value. Ton dash. Ah oui, je suis con, moi.
T'as raison. T'as raison, Kashka, merci. Il doit être tard. Mais ouais. là par contre ça passe pas. Ok. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui suit. Ok. Du coup, est-ce que je peux... Ouais, est-ce qu'on va voir si je peux aller faire la même chose de l'autre côté. Non, mais non. Ça passe. Ça passe pas. Est-ce que je pourrais potentiellement arriver... Ben non, ça monte pas assez haut pour aller sur le 2, là. Ou alors... Peut-être que si je le colle. S'il se colle. J'imagine qu'on peut pas... Voilà, ça passerait pas. Ah, ou alors... Ou alors il faut servir pour aller pour grimper là-bas. On va faire ça, en face. Plutôt. Comme ça, et puis... Voilà, c'est ça. Et après, une fois qu'on sera là, on va pouvoir aller là-bas. Ah bah, ils ont bien fait les choses. Ça. Tac. Non, c'était bien, c'était bien. Ouais. C'est logique qu'il faille se servir du dash pour le... Pour le puzzle. Alors, je vais essayer de... Yes. Donc là, on monte. On fait ça. Et on fait... Ça. Salut. Ah. Oh. Ah, ok. Oui. Et GG Kashka. Tac. Ne pas tomber. Cela serait dommageable. Quittons le plateau d'Agnéa. Il nous reste 10 minutes. On peut faire le prochain. Salut. T'as de belles antennes, tu sais. Zalitrax. Ok. GG à toi surtout. Les Zalitrax, comment on fait? Ah voilà. Ces gardiens ancestraux évoluent dans l'ombre du Grand Canyon, communiquant entre eux à travers la brume. On dirait des... C'est des brontosaures, en fait. Ok. C'est magnifique, quand même.
Ah, il danse. Ok. Nouvelle zone. Il y a ce petit truc là, le petit bestiole là qui veut qu'on la suive à chaque fois, j'ai l'impression. L'enseignement. C'est un nouveau truc que j'ai chopé ? Je veux un double saut, je veux un double saut. Je sens qu'il va y avoir un double saut. C'est obligé. C'est obligé, c'est tellement frustrant le petit saut tout pourri là. Ok. Oh mon dieu. Les plaines de Malaha. Exploratifions. Eh, hey, salut. On les connaît déjà ceux-là? Ah oui, c'est des choubes. Ce sont des choubes. Ah, il faut aller là. J'imagine que ça sera de plus en plus difficile. Jurassic World, là, il y a un peu de ça. Hein. C'est clair. Ah si ça passe. S-Beam. La lumière me guide sur mon chemin et me donne de la force. Elle vit en tout ce qui existe, des plantes couvrant les plaines aux roches inertes. Les bâtonniers ont appris à maîtriser et à contrôler les pouvoirs de la lumière. Assembler davantage d'énergie. Je me demande si je le vois quand j'ai assez d'énergie, je sais pas. Les Twivel. Ces créatures sont agiles et fibreuses. Il pourrait s'agir d'une variété de fleurs étranges. Est-ce que je vais ici, je vais dessus? Ok, juste ça. D'accord. Je m'attendais à ce que je me fasse bump en fait. Les Glamebel. Oh, ok. Ça, ça marche par contre. Ces créatures aux allures de plantes ont une manière à la fois drôle et attachante d'exprimer leur joie. Yes. Merci. Je me demande si j'ai assez maintenant. Et merde! Moi, j'y vais comme ça, là. Ça devrait passer si je fais ça. Eh non. D'accord, il faut utiliser les machins. Là. Eh, salut, t'es qui? Le Chronorus.
Ces créatures sédentaires et séculaires sont considérées par certains comme des témoins du temps. Elles se contentent d'observer le monde. Oh. Ah, oh là là. Bah pif 3. OK. Ah, peut-être que si je vais un peu plus haut en fait, il y aura peut-être moyen. Pas assez. J'essaye à partir de là. Non. M'énerve. Oh, il y en a un très gros là. On a été là ? C'est pas le truc pour avoir une nouvelle compétence, ça. Avec leur connaissance de la lumière et des pouvoirs qu'elle confère, les bâtonniers sont devenus nos chefs. Je vais me reposer encore un peu, reprendre mon souffle, ressentir le vent sur mon visage une dernière fois. Gros. Il est parti, ok. Gros. Alors ça, à mon avis, il va falloir activer un truc pour que ça fonctionne. J'ai probablement la bouboule là. Le bracelet qui brille là, c'est peut-être bon. Là. La lumière vit dans chaque animal, dans chaque pierre. Et les anciens bâtonniers ont appris à la dompter. Les enseignements de la lumière ont été transmis de génération en génération et les bâtonniers ont fait régner la paix et la prospérité à travers le monde. Je sais pas s'il y a un intérêt là. Oh là là, je sens qu'il va falloir faire du jumping sur les fleurs là. Ouais, peut-être pas en fait. Faire sans ouais, j'ai l'impression qu'il manque des trucs, non? Ça je peux l'activer. Ah ok, d'accord. Ok, il va falloir jouer avec ça. Faut que je... Ah, je peux pas quand j'ai la lumière. Je peux pas dash quand j'ai ça.
Ok. C'est bon à savoir. Ah, là, ça l'active. Ok. Ah. Ok. Ah ouais. Ok. Là, il va nous falloir une autre lumière. Ok. Je suis obligé de laisser celle-là active. Je vais reprendre la lumière de là-bas en fait. Vu que ça descend pas le truc, ok, c'est nickel. Ah ouais, mais. Comment je fais pour grimper là? Ah ouais? Comment je fais pour grimper là du coup? Peut-être en sautant mieux que ça? Non. Les enflures. Peut-être que si je le descends, c'est peut-être que je peux descendre le ce truc-là en fait avant. Good question, on est d'accord. Alors attends, regarde, si je fais ça, peut-être que je peux le descendre complètement en fait. Voilà. C'est ça. Et du coup, on peut prendre ça. On va en avoir besoin après. C'est ça le problème, on va en avoir besoin après. Donc, c'est compliqué. Je vais le faire quand même. Ouais, si, je vois ce qu'on va faire. On va faire ça. Hop. Ça, il est allumé. Ensuite, on prend celui-là de façon temporaire. Là-bas pour remonter le bloc. On le remonte complètement. Hop. On récupère celui-là, plus besoin. Et puis on va le mettre sur le trampoline. Et normalement c'est bon. J'espère que tu dois pas tuer les dinos comme dans Horizon Zero Dawn. Bah y a pas intérêt. Sinon je vais pas être content. Là on peut récupérer ça et le mettre ici. Mais ça va nous faire quitter le truc et je veux pas. Ça. Voilà, 68% c'est... Non, il nous faut... Ah, je suis déçu parce que je pensais qu'on allait avoir une nouvelle compétence. Ici, mais apparemment pas. Donc... On peut pas sauter sur les fleurs, ok. Qu'est-ce qui nous manque? Il manque des trucs là-haut là. Il se fait pas sauter assez haut. Salut, je bosse en ligne pour voir la fin de ton stream et dodo. Ah, et ben coucou Mu, ça fait plaisir de te voir ici. On est pas loin de... Ah voilà.
On n'est pas loin de stop en fait. J'attends la. Je boucle cette zone là et après je vais stop. Et bonne. Bon reposage. J'espère que tu vas bien. J'ai pas vu ce que ça a fait en fait. Putain, on peut pas grimper là-dessus. M'énerve. Ce jeu est des plus reposants et chillifiants. Il y a juste un truc, c'est que le dash, il jure un petit peu au milieu de ce jeu magnifique, reposant et coloré, et d'un coup on a... C'est vraiment bizarre. On en est à 78. Hein, on voit ce qu'il nous reste à faire en fait, c'est ça. On a bien la boule là-bas, et celle-là, là. Ok. C'est cool. Comment je fais pour l'avoir celle-là? T'es là? Ah, c'est trop loin. Ça. Ah oui. Où elle est? Ah voilà. Inch. Le dash est violent. c'est bizarre. Là-bas. Et là-bas. Donc celle-là, là, je vois pas trop comment on peut la choper. Et celle-l'autre là, celle-là là-bas, il va falloir une façon ou d'une autre avoir. Il nous faut un pont là. Mais je sais pas comment. Et Mumu, pour info, c'est une personne toute seule qui a fait ce jeu-là. C'est assez bourrin. En y réfléchissant. Non, ça passe pas. Oh, Jim là-haut, merci. 24 mois, mon dieu. 2 ans de gym là-haut. Et GG à Lumi de t'avoir offert. C'est ça, hein, c'est ça. C'est Lumi qui t'a offert 12 mois. Coucou gym là-haut, comment ça va? On n'est pas loin de la fin là. Pas du jeu, hein, du stream. Normalement, je voulais arrêter à 3 heures. Apparemment ça a fail, comme d'habitude. Tava, cool. Et puis t'es en train de te spoil, je pense que c'est un jeu pour toi ça, pour info. Enfin tu le sais déjà, tu dois l'avoir en wishlist. Mais il est bien. Il est bien. J'ai regardé quelques extraits du jeu, ça a l'air sympa. Ouais franchement c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ça donne envie de le faire en 100%, tu vois. Et 11% restant sur cette zone. Il nous manque... à aller chercher la bouboule là-bas. Et là, à mon avis, ce truc-là, si je le chope, ça va activer le pont, je pense. Mais comment je fais? Comment je fais? Je peux pas sauter sur... Ou alors, est-ce que il faudrait sauter sur toutes les fleurs? Non, bah non, non, parce que... Remarquez, si j'arrive... Mais non, mais on passe au travers. On passe au travers. Je pense que les grosses, potentiellement, on peut tenir dessus. Alors, par là. Ouais, mais non. Non, on passe au travers. C'est nul! Ok. Donc, c'est autre chose à faire. Et là, on peut vraiment rien faire de plus? Thank you.
bizarre, bizarre. Ouais, et en fait, on répertorie aussi toutes les espèces qu'il y a. Il y en a 41, on en a 13. Il y a les petites descriptions, etc. etc. Là, on a l'histoire du jeu. Donc, non, c'est sympa. Et puis. Ouais, franchement. Ouais. Ça, on l'a fait. Ouais, j'imagine que si c'est allumé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà. Peut-être aller dans à droite du pont, peut-être qu'on va trouver un interrupteur, un truc comme ça. Tu vas où toi? Ok. Coucou Focube. El Kimomno. Ouais. Très cool ce jeu, très chouette. On continuera dimanche soir. A priori. Est-ce qu'on pourrait pas passer par là en fait? En fait, c'était un troll. Le jeu nous a troll. Il y a un grand pont et je pensais qu'il fallait aller choper un interrupteur pour. Enfin, il y a un trou. Je pensais qu'il fallait activer le pont. J'avais peur de regarder des streams pour pas me spoil. Ah ben. Ouais. Je comprends. Là, ça va activer le pont. Ah non, un puzzle. Un puzzle. Ok. D'accord, ok. En vrai, comme je joue jamais à rien, lol. Il faut savoir... mettre des priorités. Tout à fait. Peut-être comme ça là. Ah non, il doit falloir passer par. On va sauter là-dessus. Puis après, on va sauter là-bas en fait. Puis après là-haut. Donc on va le mettre ici. Comme ça. Ah. Essayer de voir si le. Mais non, mais. Voilà. Là. Là, et puis il faudra mettre l'autre au milieu. Ok. Aïe! Chta! Ok. Ah, un gros chplaf là. Ok, on va le mettre plus proche du trampoline. On a vu que c'était plus pratique. Quoi que c'est. Oui, non, ça devrait aller là. On va bien voir. Oui! Maître des plaines. 100%. Et du coup là ça peut activer le un peu trop facile. Ça fait plouf mais y a pas d'eau. Mais si y a de l'eau tu la vois juste pas. Comment ça? Bah oui un peu trop facile. Bon c'est pas le but je pense que ce jeu là à mon avis est pas fait pour être c'est pas fait pour être mist hein. Tu perds les bouts de ton âme à chaque fois. Non, c'est de la lumière et je la récupère. Je peux la récupérer en faisant des trucs. Tu fais semblant de critiquer. Ah, pardon. Excuse-moi, je te laisse alors. Allez, maintenant, vu qu'on a fait le puzzle de... Chutard. Ici, c'est fait. On peut sortir de la zone. Ça te rend un jeu d'exploration, puzzle, chill, no stress. Ouais, c'est ça. Tu as tout à fait raison. C'est exactement ça, Jimlo. Il y a... Les puzzles, pour l'instant, sont plutôt faciles. Plutôt très faciles, même. L'exploration aussi.
C'est cool. Puis c'est joli. La musique est bien. Nostressia.s, j'avais pas percuté. J'aime bien Patrick Bosseau, moi aussi. Beaucoup regarder la grosse émission. Oh. J'ai pas envie de m'arrêter maintenant, c'est ça, c'est terrible. C'est terrible. En vrai, j'aime bien Patrick Bosseau aussi, mais si je suis pas des gens, je tombe malade. Ah oui, bah continue alors. Forcément. En fait, j'aurais pu passer à droite, mais. Laissez-vous porter. Le nouveau monde vous attend. Ça marche? Oh là là! Oh là là, merci Koima, coucou. Ah, nouvelle compétence, Surfei, avec LT. Wouah! Sur son bâton. C'est super pas pratique normalement. Donc si c'est ça le monde après Covid, on est mal. Bah non, ça rocks, c'est trop bien. C'est super la classe à Dallas. Coucou Koima, comment ça va? T'arrives pile à la fin. Enfin, j'ai plus envie de finir maintenant. Ça glisse. Ça va, t'es fatigué? Bah tu m'étonnes, t'as stream je sais pas combien de temps, 6h, 7h. Du coup j'étais en train de chercher, c'est lui ou un autre que j'aime pas déjà? C'est Cantelou. Ah ouais, Cantelou je peux pas le supporter. Cantelou il m'énerve. C'est rarement drôle. C'est tellement beauf. Mais bon, après, c'est mon opinion. Eh, hey, Miu Miu, Cui-Cui, enfin, je sais pas quoi. Wow! Paf! Venez de faire des filles. Oh, salut! J'essaie de faire des figures, mais... On n'a pas de truc à faire ici, ok. Un castor volant. Ton copain la petite créature, ouais on dirait bien.
C'est quoi déjà ces créatures là? Merde, c'est les petits trucs au début hein. Non. Non, ça vole pas les choubes. Je sais même pas ce que c'est, tu vois. Bizarre. Donc oui, il y a une certaine probabilité que j'aime bien Patrick Bosso, mais je le connais pas énormément. D'accord. Moi, c'était juste la grosse émission que j'ai connue avec lui, donc. Il est super bien le jeu. Il est super bien, la musique est très cool. Voilà. C'est très trippant. Et je le continuerai mercredi prochain en ninja. Oui. Oh là là. Ah mais pourquoi il fait ça? Mais non. Non mais j'allais faire un truc super. Le jeu là. Pourquoi tu m'as fait me dévier comme un... Comme un sac là. Yeah. Ouais. On ralentit et tout. Ouais. Voici dans la vallée de Sagia. C'est ton pet unique, ouais. C'est peut-être ça, ouais. C'est vrai qu'il n'arrête pas des... Ouais, ouais, il est toujours là. Vous êtes qui, vous? Des bulbasses. Certains disent que ces créatures composeraient un seul et même organisme relié sous la terre. Oh. Sympa. J'ai pas envie d'arrêter. Vilain jeu. Par contre, c'est un peu mou à quel moment on récupère un bazooka pour exploser tous les animaux qu'on croise. Je pense que dans le NG plus 1, gym là-haut, à mon avis. Bonjour. Un Maborus. Le grand froid ne semble pas affecter ces créatures, si ce n'est pour le manque de nourriture. Et en fait, on peut quand même mourir. Hein. Dans l'eau, il ne sait pas nager. Hein. Enfin, pour l'instant, a priori, quoi. C'est la dernière zone? Non, c'est pas la dernière zone. C'est pas possible. Regarde, on en est qu'à 15 sur 41 créatures. Les glyphes, c'est pas marqué. Mais je pense que quand on sera... 35, on pourra se dire, ah, on approche de la fin. En fait, c'est quoi l'histoire? Il y a une histoire. Il y a une histoire. On se balade. L'histoire, elle est là, elle est dans les glyphes, en fait. A priori, on entame une espèce de pèlerinage, c'est ce que j'ai compris, en tout cas. Et puis voilà. On lit, il y a des glyphes qu'on lit qui sont apparemment laissés là pour des voyageurs comme nous. Et une personne qui apparemment aurait fait ce pèlerinage avant et qui explique ce qui s'est passé, ce qui lui arrive, etc. Ah, dernière zone pour ce soir. Ok, d'accord. Dernière zone pour ce soir. Ouais, mais ça veut dire que je vais finir à 4h. Oh là là. Oh là là. C'est pas très gentil. Donc là, il nous faut de l'énergie. Ok. Et je sais pas à quel moment on a assez d'énergie. Ah si, c'est quand on devient tout speed. LOL. C'est marrant. Ah, il est là, notre pote. Ah, il faut trouver l'ordre. D'accord. Ah ouais, mais... Oh là là. D'accord. F...
fuck. Ah fuck. Évidemment. Évidemment, c'est le dernier. Celui-là là-bas. Puis après celui-là. Très beau champ. Merci. Merci mon pote. Et ça fait un. Aïe. C'est le genre de jeu que j'aime jouer. Bah ouais, ouais, non, c'est clair, il est pour toi. Hein. C'est clair. C'est pour ça, te spoil pas non plus. Trop, je pense. On va pas finir cette zone-là. On va pas cache-ca. Mercredi, tu seras là, cache-ca. T'es toujours en vacances, là, non? Oh, fais un truc, là. J'bong. Ah, puis c'est chronométré en plus. Ah, ça va être pratique. D'accord, ok, je vois. Non, mais c'est bon, arrête. Voilà, merci. On la refait. Je veux juste faire ça avant. Ah, sûrement là, ok, cool. Boing. Puis, comment on fait pour là-haut, là aussi? Ah, il faut faire comme ça, par là. Tu commences à quelle heure? Alors, mardi soir, 21h, sur Terminator. Mercredi soir, ça sera aux alentours de minuit, je pense, comme aujourd'hui. Mais je peux pas te dire l'heure exacte puisque c'est du ninja, donc c'est vraiment quand je peux, quoi. Le désir d'explorer la lumière véritable était aussi clair que le cristal et mordant que le froid. Que nous soyons libérés de ce monde et que nous percions les secrets les plus profonds de la lumière. Toi, c'est ça l'histoire, en fait. Peut-être un peu jeu d'exploration puzzle chill, mais un peu try and retry. Enrique Jelly, lol. Ouais, bon, si peu. Franchement, non. Y a pas eu de moment où je me suis vraiment, vraiment énervé pour l'instant. Bon, allez. D'ailleurs, en plus, comme ça, on va voir aussi si. Où est-ce qu'il recommence, en fait. Mais je pense qu'il va recommencer. Au dernier checkpoint, en fait, je pense. 38%. Ok. Allez, ça suffit comme si. Et bah ouais, non, franchement que du bon. Franchement que du bon. On le continuera mercredi sans faute. Et puis voilà, c'est tout. Si vous avez regardé cette vidéo sur Twitch, sur YouTube, dans le futur de l'instant présent, c'était Telkino avec l'épisode numéro 1 de Omno. Merci beaucoup, à la prochaine.